Un revirement assez intéressant se prépare au niveau du contexte météo à long terme parce que oui, pour la mi-septembre, un retour de la chaleur estivale est possible, une séquence de chaleur avec même jusqu'à 30 degrés possible par endroit, le tout accompagné de temps généralement sec et ensoleillé. Alors quand on regarde, là, oui, en début de semaine prochaine, du temps plus frais qui est prévu. Par contre, pour la suite des choses, la deuxième moitié de la semaine, c'est là que le mercure se mettrait à grimper pour donc atteindre des valeurs plutôt estivales. Donc, généralement, là, une tendance aux températures plus chaudes que la normale pour la mi-septembre et même que les valeurs affichées ici pourraient être sous-estimées. On pourrait se rapprocher davantage des 30 degrés sur le sud de la province. Et ça, c'est inespéré à ce temps-ci de l'année parce que pour Montréal, depuis 1990, c'est moins d'une année sur deux qu'on atteint ce seuil à au moins une reprise.